Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble les couleurs primaires, les couleurs secondaires ainsi que les autres couleurs. C'est parti! Tout d'abord, quelles sont les couleurs primaires? Il existe trois couleurs primaires. Le jaune, le rouge et le bleu. Et je vais même être un petit peu plus précise, le rouge, c'est du rouge magenta et le bleu, c'est du bleu cyan. Avec ces trois couleurs primaires, on dit aussi que ce sont des couleurs de base, on peut créer d'autres couleurs. Et j'ai même envie de te dire une infinité d'autres couleurs. Mais alors, comment, à partir de trois couleurs, peut-on créer plein d'autres couleurs? Le plus important, c'est le dosage. Par exemple, si nous mélangeons du jaune et du bleu en quantité égale, on obtient du vert. Le vert est une couleur secondaire. En mélangeant du rouge et du bleu en quantité égale, on obtient du violet. Le violet est une couleur secondaire. En mélangeant du jaune et du rouge en quantité égale, nous obtenons du orange. Le orange est une couleur secondaire. Il existe donc trois couleurs secondaires obtenues à partir des trois couleurs primaires. Le vert, le violet et le orange. Si je résume, nous avons donc trois couleurs primaires que sont le jaune, le rouge, le bleu. En mélangeant le jaune et le rouge, nous obtenons du orange. En mélangeant le rouge et le bleu, nous obtenons du violet. Et en mélangeant le jaune et le bleu, nous obtenons du vert. Et donc, en mélangeant ces couleurs avec des dosages différents à chaque fois, nous obtenons une palette infinie de couleurs. N'hésite pas à t'amuser, à faire des dosages différents, des quantités différentes lorsque tu fais de la peinture. Tu verras, tu peux même obtenir des couleurs que tu n'as jamais vues auparavant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.